Malgré son aspect un peu frêle et désuet, le bois de corail est largement présent dans les forêts humides et les ravines entre 700 et 1400 mètres d'altitude. C'est un arbuste qui occupe la place dont il dispose. Si la canopée le lui permet, il peut atteindre 5 mètres de haut. Mais il se contente aussi de 2 ou 3 mètres, où il se déploie avec grâce. Les fines branches graciles montent, se ramifiant de plus en plus, sans vraiment réduire leur section. Les feuilles sont groupées à l'extrémité des branches. Opposées, parfois par trois, elles constituent autant de bouquets qu'il y a de rameaux. Elles sont allongées et pointues à l'extrémité. Le feuillage pourrait presque passer inaperçu. Mais à partir du mois de janvier, d'étranges bractées se déploient au-dessus de la plante. Celle-ci se pare d'inflorescences rameuses blanches, tout droit venues de la mer. Le bois de corail mérite bien son nom. Chaque doigt de ses mains de corail s'ouvre en une magnifique fleur tubulaire, blanche, teintée de lilas au sommet. Les fleurs s'ouvrent les unes après les autres, telles de petites étoiles guidant les insectes vers un couloir lumineux, grâce à un fin stratège. Les pétales ouverts sont dégradés de mauve très clair à violet foncé, créant ainsi un plus fort contraste avec l'intérieur de la fleur. Les insectes occupent les lieux et profitent du gîte et du couvert qui leur est offert. Les fleurs vont donner naissance à des fruits, allongés, d'un beau vert clair, en grappes denses au-dessus du feuillage. Quand ils sont mûrs, les fruits foncent et prennent une teinte noire. Les oiseaux peuvent alors s'en donner à cœur joie, emmenant les graines un peu plus loin. Tous les espaces de la forêt trouvent un occupant, même les plus sombres, même les plus humides, même les plus inhospitaliers. Pourtant, la nature nous prouve que rien n'arrête les plantes, ni le froid, ni la sécheresse, ni le vent, ni le sel, et que chaque surplomb rocheux représente l'espoir pour une graine de peut-être un jour devenir un arbre.